Yo les droïdes, la forme, vous êtes avec le Droïd Tech et bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour là une nouvelle vidéo. Et oui encore sur Nintendo Switch, je vous l'avais dit, il y a déjà deux vidéos de ça, qu'il y avait pas mal de bons jeux disponibles sur Switch actuellement, donc on en profite. Quand il y a vraiment que de la merde, que de la bouse, je me fais pas chier, je le prends pas, je vais pas claquer ma thune pour rien, ça vous l'avez compris. Maintenant quand il y a des bons jeux, je les prends, enfin des bons ou des moyens. Mais là cette fois-ci, j'en ai pris un bon, du moins j'espère, donc c'est Rogue Heroes Rune of Tazos, qui est disponible sur Nintendo Switch depuis le 23/2/2021, donc là on va avoir une petite intro. Classe d'âge Peggy 7, donc là je sais pas pourquoi il me veut ça, mais ok. Ok, c'était juste pour confirmer mes jokes, rien de bien grave. Donc date de publication le 23/2, classe d'âge Peggy 7, allemand, anglais, espagnol, français et tralala pour les langues. Au niveau de la taille, ça fait environ 1,7 Go installé sur ma micro SD. Au niveau de l'éditeur, c'est Team 17, au niveau du développeur, c'est Heliocentric Studio. Voilà pour les bases. Avec vos amis, relevez les défis des donjons procéduraux, percez les mystères d'un vaste monde et abattez les titans pour sauver la terre autrefois paisible de Tassos. Rogue Heroes propose une aventure classique à 4 joueurs comprenant des éléments de roguelite moderne. Et voilà, c'est parti. Donc jouer en solo, coop local, coop en ligne, donc ça c'est super bien. Pareil, peut-être une future coop avec le Droid Geek ou d'autres gamers à voir dans le temps. Pour le moment je reste avec lui, on verra prochainement, peut-être, je ne dis pas non. Voilà, comme le rétro gaming et tout ça. Mais bon, pour le moment, on reste là-dessus. Donc, aucune donnée. Pour information, c'est la première fois que je lance le jeu. Donc, on va le découvrir aussi. Ouais, ça c'est bien. Ça me va confirmer. La couleur de peau, on peut rester comme ça. Les cheveux aussi. La tunique. Ouais, bon, on reste comme ça. C'est très très bien. Ok. Donc, le petit bruit de la pluie derrière qui fait plaisir. Ah merde, j'ai appuyé sur A, autant pour moi. Un ou plusieurs joueurs sont nouveaux. Commencez le didacticiel. On peut commencer le didacticiel, évidemment, on est là pour ça. C'est parti. Donc L pour se déplacer, comme ça, ça va vous apprendre aussi les bases. À vous aussi, et à moi aussi. C'est impeccable. Donc B pour attaquer. Oula, il y a un temps d'attaque par contre. Ok, utilise ton épée pour éliminer les ennemis et détruire les objets. Par contre c'est chiant ça, le fait d'attendre. Là on a le camembert, c'est un peu casse-couille. Parce que du coup quand t'as des ennemis. Ok, ça j'ai compris. D'accord. Donc ok, on peut faire une attaque en une seule fois, c'est aussi bien. Bon. Un peu con. Là il y a des runes. Hop. Là je peux pas attaquer. Hein. Dès qu'il y a le camembert, je peux rien faire. Et là on va la prendre directement. Ça c'est fait. Oula, voilà, une grosse souris là. Là c'est un gros coup de chat. Hein. Ok, voilà, c'est... Oh putain. Heureusement qu'il m'a donné des cœurs. Ah mais là... Ok. Bon, côté maniabilité, ça va. Donc là, il y a des trucs, je pense que... Ah non, on peut les pousser. Super. Mettre là-dessus. Ah merde, finalement, j'ai pas fait le truc. Il faut la clé. Alors. Placer des blocs pour enlever le passage secret. Ok. Ah ouais, super. Placer les blocs. Bon, bah ok, c'était juste moi le bloc en fait. On appuie sur un, on récupère la clé, super. Nickel. Donc on peut se défendre avec ZL. Donc là pareil, il y a un camembert. Bon ça c'est... Ok. Ah merde, par contre par derrière. Ok, donc là ça sert à rien. Pas gagné là. Hein. Je crois que je vais perdre. Au didacticiel, c'est pas mal. Ah, je peux pas attaquer là. Attends, c'est quoi ce délire? Ah oui. Ok. Ça, c'est fait. Du coup là. Non, tu m'auras pas. Puis. Et je sais pas.
Donc de derrière, voilà, on peut pas l'avoir. Putain, je me... Je peux pas faire les deux en même temps. Ok, et là il me reste plus que 20 PV. Autant dire qu'on va s'amuser. 9 PV. Ouais, je vais mourir là. Oh putain, je suis mort. D'accord. Merde. Donc là, il y a un slime. Je vais mourir là. Ah, il y a des bombes. Nickel. C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est. Appuie-toi contre certains rebords pour sauter vers le bas. Faut que je m'appuie sur certains rebords. Je saute comment? Ah d'accord. C'est pas mal. Par contre, j'aimerais bien des points de vie là. Ça serait bien. On va voir un peu là, je peux rien faire. Super, je peux aller là. Ah, un petit peu de PV. Donc graphiquement, il est super kawaii, il n'y a rien à dire. Voilà, niveau maniabilité, là, pour l'instant, j'ai rien à dire. J'ai pas, par contre, j'ai pas précisé le genre, c'est aventure, action, jeu de rôle et multijoueur, ça vous l'avez compris dès le début. Par contre, ça me saoulait là. L'histoire de... Ouais, voilà, là... faut que je tue machin, faut que je tue truc, mais... Du coup, je peux pas attaquer quand je veux. Merde. Ah voilà, là je peux pas. Là, j'en ai deux. Non, mais je vais pas y arriver là. Une. Ah, j'ai du mal à les avoir. Pour l'instant, j'arrive pas à calculer le truc. Autant pour moi, pour... excusez-moi pour le micro. Ah, se réveiller. Je crois qu'on a fini le didacticiel, mais le, c'est déjà assez. Assez puissant comme ça. Donc voleur, chevalier, archer, faucheur. Donc on a pas mal de catégories, c'est super intéressant là. Héros, voleur, qu'on verra, il faudra les déverrouiller. Chevalier, blindage plus lenteur, mage, spécialité des rues. Mage pourrait m'intéresser. Archer, sorcière aussi. Pillard, avoir, faucheur et bombardier. Ok, et nous on est dans une classe héros. Donc on va commencer ensemble l'histoire, tranquillement, là, pendant 15-20 minutes ensemble. Ok. Il est aussi disponible sur Steam. Pour tous ceux qui ne connaissaient pas, le jeu, vous pouvez l'avoir sur Steam. Donc la musique derrière ne prend pas la tête. Graphiquement, c'est beau. Après, voilà, ça reste du pixel art. Tu peux te débrouiller. Enfin, plus ou moins, qu'est-ce que tu en dis? Oui. Parfait, voilà ce que j'aime entendre. Ok, d'accord. 80 gemmes. Et bah pourquoi pas. Donc. Ouais voilà, là c'est quand même mieux là. Donc là ça doit être l'endurance. Je sais pas ce que j'avais tout à l'heure. Ok. Et j'avais pas Y de mémoire. Ah voilà, il est essoufflé, mais ça c'est normal, l'endurance on l'aura au fur et à mesure. Ah non, on n'est pas dans Animal Crossing, non. Mais j'essaye de voir. B pour charger, ZL pour le bouclier. Faut pas oublier le bouclier. Donc je vais voir ce qu'on a. Là, on est dans l'inventaire. Outils de lampe, ok. Donc on a la carte. Voilà, on est là. Pour l'instant, je peux pas me déplacer plus loin. Voilà, non, c'est tout ce que j'ai. Statue du village, c'est là où j'ai... Ouais, c'est la téléportation. Ok, donc ensuite on a les quêtes. Trouve la forteresse de Derakar, premier donjon auquel nous avons pu accéder, si tu veux nous reste. Ok, collecte 80 gemmes et puis revenir voir le mec et parler à l'homme du village. Donc ça c'est déjà fait. Niveau équipement, on a tout ça. Ok, donc santé et tralala. Ok. Moi par contre, non. Ok, ah ouais, c'est... Oula, ça en dit long un peu sur la carte. Donc là je suis en max zoom. Et bon, on va voir, on va... Je sais pas ce que ça va me donner.
Héros. Je suis parti par là, mais bon, est-ce que c'est par là qu'il faut aller? Oh putain, il y a des titans, ok, super. Il fait quoi avec son sachet? On récolte, on va farmer, hein. De toute façon au début on peut faire que ça. On ne peut que farmer. J'ai pas l'air d'avoir de... d'ennemis pour le moment. Ça va pas me donner grand chose. Bah non. Ok. Et là il y a quoi? Bon s'il y a un donjon je vais me faire crever direct. Hein. Mais là je peux pas rentrer donc c'est normal. D'où le donjon. Ah pour consulter. Un coup porté, un gros marteau pour... Un coup porté, ouais. Non, je peux pas là. Pour l'instant, je ne peux pas. Donc, à voir ce qu'il y a par là. Oula! Ah ouais, quand même. Ah, s'il faut que je le bute, j'ai pas gagné, là. Ah, y a un gros tauros, là. Il va m'attaquer, ou... Putain! Ok. Ça va, parce que j'avais ça, mais... Ah, y a encore un autre gros taurus par là, mais je l'ai pas vu tout à l'heure. Ça s'appelle Taurus, hein, j'appelle comme ça, mais. Par contre, la défense n'a servi à rien face à lui. Bizarre, hein. Ouais, là, c'est un peu en mode bourrin. Là-dedans, il y a que dalle. Par contre, il y a un coffre là-bas. Faire un peu de vie. Ouais, nickel. Un petit peu d'argent pour farmer. Bon, les débuts dans ces jeux-là. Putain. Au début dans ces jeux-là, les premières heures et tout ça, c'est pas non plus la panacée. On s'éclate plus si une fois que ton héros, ton personnage, il est dev. Il y avait un puits là, mais bon. En tout cas, c'est pas mal. C'est super plaisant à jouer. Et franchement, j'aime bien. Rien à dire là-dessus. Même qu'il est au prix de 20 balles sur l'eShop. Moi, je prends des maths. Donc n'hésitez pas, pour 20 balles, ça fait toujours plaisir. Là, je pense que c'est pour une sauvegarde ou un truc du genre, non? Bon, je peux rien faire, là, je sais même pas à quoi ça sert. Ok. Ah, il y a un A, là. Soulever. Ok. Ouais, ok, je soulève, mais ça me sert à quoi? Ah, pas grand-chose, hein. Ouais. Le temps de chargement sera relativement court, donc pour un jeu comme ça, c'est plaisant. Et là, ça me donne rien. Non, je peux pas y aller par là. J'ai visité une maison qui servait à je sais pas quoi. Ah ouais, je peux. Ah, ça aussi, j'avais pas vu ça. Du coup, je peux les soulever. Hop. Ok, donc je soulève avec A et j'envoie avec Y. On continue d'explorer. Oh merde, il y en a encore un là. Ok, là je peux rien faire pour le moment. On continue. Oh putain. Ah ouais, mais peut-être qu'un jour j'y arriverai à faire une charge, une vraie charge. Tueur 2, je sais pas quoi. Même lui, sait pas comment il s'appelle. Donc là, j'étais coincé par là. Là j'ai visité ça, mais du coup, ça me donne pas grand-chose. Ouais, couper un arbre. Ça change. En fait, dans le jeu, pour l'instant, t'es plus paysagiste que héros, quoi. Ça me donne rien. Là, je peux jumper. Ça me fait penser un peu au premier Zelda. Ok.
On continue. Donc là, il y a des tombes, mais peut-être quelque chose d'important. Je suis en train de casser les rues. Au moins, j'ai récupéré de la vie, c'est déjà ça. Donc là, je suis là. On va aller voir par là. Là, il y a des trucs, je sais pas à quoi ça sert, ça. Ça sert à rigoler. Là, pareil, il y a un truc, mais hop, là, il y a quoi, là? Dédale végétale. Donc là, sud, dédale végétale. Ouais, sud, dédale végétale. Ok. Donc on est là. Bruit de l'eau comme on a dit tout à l'heure. Donc si on a des lampes, il y a peut-être le jour, la nuit. Là on a quoi là? Ouest. Donc on était bien au nord. Donc pour notre mission on était bien. Ouais, trouver le panneau là. Voilà. Nord. Ok. Si on prend la quête, trouve la forteresse, premier donjon auquel nous avons situé au nord-est. Ah oui d'accord. Donc là je suis au nord. Donc la carte, je vois pas pourquoi. Hop, là j'étais là. Ah j'ai pas été par là peut-être. Non, mais je pense pas que ça change grand chose. Après quand tu connais pas le jeu, hein, tu cherches comme tout le monde. Bon ça vaut, moi il est pas limité sur l'endurance pour le moment. Je crois qu'il n'y a rien par là. Là, je suis là, ouais, ouais, y a rien pour l'instant. Ouais. Oui, y a une route qui va arriver par là, là. Cool. Est. Bon, il n'y a plus qu'à. Oh là, il y a des slimes là. Cool. Impeccable. Ah, c'est peut-être une bonne zone déjà quand t'as des ennemis qui arrivent comme ça, là. Putain. Même ça, c'est dur à faire. Où le slime? Nickel. Ah, généralement quand t'arrives dans un truc comme ça, c'est que ça sent bon. Un petit slime. Putain. Ah moi la défense c'est pas mon truc. Hein. J'essaye mais... Là il y a une sorte de je sais pas quoi. Et là, cette fois-ci il était rouge. Donc là on a quoi? Nord. Ah. Nord et est. Ok. Pff. Oh il met la misère, il a misère lui. Ok, on continue hein. Pour l'instant. Putain. Oh j'ai buté deux en même temps là. Ça fait plaisir de farm un peu. Oula, nouvelle zone, découverte du lac. Merde, il y a un truc là, mais je sais pas ce qu'il faut faire. Là, il y a une croix, donc à mon avis, il faut mettre quelque chose. Putain, on est payé à des herbes aussi. Ok, donc là, à mon avis, il y a quelque chose à faire. Quoi, je sais pas, il y a quelque chose à faire. Méchant lui hein. Ok. Donc là, je visite par là. Là, il y a un lac. Et là, on me demande de trouver la forteresse de machin truc, mais pour l'instant, je suis plus dans la. Une explosion. Ouais, une explosion pour la faire s'effondrer, mais du coup, je sais pas si. Ouais, non. C'est pas du tout ça. Bon, moi j'ai trouvé un lac, c'est déjà ça. Du coup, j'ai pas fini d'explorer par là. Oh, c'est chaud là. Il y en a partout là. C'est quoi ça? Je sais pas quoi ça sert ça.
à rien. Y a pas de panneau, y a que dalle là. Ah, y a un petit coffre là, mais si j'y vais. Merde, je peux pas. Ah, c'est mal branlé là. J'y rate tout à l'heure. Chemin. Ah, bah voilà. Avec un peu de persévérance, on y arrive. Ok, donc ça c'est super intéressant parce que ça va pouvoir me permettre après la fin du combat de revenir rapidement chez moi quoi. Voilà. Non. Mais c'est un peu intéressant de l'avoir. Ok. Ah, forteresse. Donc je l'ai trouvé. Après est-ce que je vais pouvoir rentrer dedans, ça m'étonnerait. Le cœur d'un héros ne connaît ni crainte ni cupidité, débarrasse-toi de la fortune. Vas-y, bah viens. On va essayer, hein, de toute façon, on n'a rien à perdre. Puisque du coup, on est là pour tester ensemble le jeu. Voilà, un petit peu de recherche. Je sais pas ce qu'il faut faire. Lorsque tu atteins le deuxième et troisième stage, dépense, d'accord. Regarde ce que j'ai à vendre, si tu veux. Des flèches, des bombes. Les cartes du donjon. Toujours, on va prendre ça. Et là, lui, il en a plus. On va prendre des bombes. Le sac manque sac de bombes. Ok. Et il manque un arc. Donc comme ça, j'ai bien fait de prendre la carte du donjon. Donc voilà, j'ai la carte. Entrée masquée, découverte terminée. Ok. Bon, de là à dire qu'on va faire tout le donjon ensemble, je ne pense pas. Mais on va déjà en faire une petite partie ensemble. Ok, je sais pas à quoi ça m'a servi. Mais c'est super. Peut-être à relever, révéler une clé. Ouais d'accord, ça sert pas à grand chose. Oula. Peut-être attendre un petit peu avant d'y aller. Hein. Y a quoi par là? Il y a ça. Voilà, il y a un truc, mais je sais même pas à quoi ça sert. Peut-être trop y aller. Ok. Ça, on va y aller après. On part dans une logique où les pierres, faut les mettre là-dessus. Et là, il faut 28. Et j'en ai que 27. Évidemment, évidemment. Là, il y avait un truc à révéler, je pense. J'ai mis les trois trucs, mais pour l'instant, il se passe rien. Donc, wait and see. Bon, là, je peux même pas les tuer avec mon épée. Sois pas essoufflé. Oula, putain. C'est chaud, là. Ok, là j'attaque. Oh, j'attaque de front, tant pis. Et du coup je peux quand même retourner là-bas, donc je vais éviter de me faire baiser. Il y a lui là, mais je... Bah. Et c'est 28 pièces, donc qu'est-ce que ça donne? J'en ai 29, à voir. Wow, des gemmes, super. Il m'en faut les 80, à 80 je peux retourner voir le vieux là. Donc là je pense que je vais revoir tous les ennemis. Ah non. Ok. Ah, là, il y en a un là. Impeccable. Impeccable. Donc, j'ai une clé. Bon, c'est déjà bien. J'ai une clé, mais je sais pas quoi faire avec. Hmm. Putain, c'était juste ça à faire. Il faut aller y penser. Hein. Voilà. Ok. Et maintenant, je fais quoi? Parce que là, on peut se mordre la queue super longtemps. Hein. Je sais même pas ce qu'il faut faire. Ok, là c'est bon pour moi. Ouais. Ça aurait été plus simple comme ça. Oula, là là, c'est quoi tout ça? Éviter de les attaquer tout de suite.
neige. Super. Elle a la dose quand même. Elle a du mal, non? Je sais pas ce que j'ai tué, mais j'en ai tué un. Là, j'arrive à les buter directement. Oh putain, il me reste plus que 3 PV. C'est chaud, là. Oh, je suis mort. Bon, bah voilà. Fin de l'épisode. Hein. Comme ça, ça clôture tout. Donc, on vient de faire ensemble environ 30 minutes de Rogue Heroes Runes of Tassos. Qui est super intéressant. Niveau maniabilité, il n'y a rien à dire. Niveau gameplay, j'adore à mort. Après, c'est beaucoup de recherche. Voilà, l'épisode a été assez pauvre. Parce que du coup, bah voilà, on n'a pas rencontré plus de monstres que ça. Mais dans ce type de jeu-là, quand tu veux présenter les 20 premières minutes, bah c'est un peu compliqué. En gros, il faudrait farmer le jeu, poncer un petit peu le jeu et vous montrer le jeu à 25-30% pour être bien. Bon, là, c'était pas le cas. C'était pour faire une découverte ensemble. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Moi, personnellement, il me botte à mort. Je pense que je vais le continuer off. Le jeu est disponible au prix de 19,99€ sur l'eShop, donc faites-vous plaisir si vous voulez un bon petit jeu en pixel art, foncez. Voilà, je vous dis à la prochaine sur YataTV. Salut! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.